Toi, dans ton nationalisme à toi, quelle place a le catholicisme? Surtout que t'es d'origine espagnole et italienne. Oui. Voilà, donc je me pose la question en fait. Déjà, il faut savoir, enfin, moi je ne suis pas catholique, je suis chrétienne. Après, j'ai été baptisée. Enfin, je suis de confession chrétienne, on va dire, parce que ma famille. C'est-à-dire, t'es protestante plutôt? Non, je ne suis pas protestante, je suis chrétienne. Enfin, comme en Espagne, ils le sont, ou en France, depuis. Il y a des catholiques aussi, non, mais moi je suis chrétienne. Il y a les chrétiens. Les catholiques, c'est chrétien, justement. Bah alors, je suis catholique chrétienne, oui, alors, excuse-moi. Et on va dire que je dis juste ça pour mettre les choses au clair, parce que, voilà, tu as le christianisme et tu as trois courants, catholiques, protestants et orthodoxes. Non, mais moi, c'est catholique, hein. C'est chrétien, chrétienne, catholique. Bon, j'ai... parce que j'avais 4 ans, mais moi, déjà, je ne crois pas en la... enfin, je ne crois pas en Dieu. Ça, c'est personnel, c'est... ça ne regarde qu'à moi. Mais j'étais baptisée. Tu ne crois pas en quoi? J'ai pas entendu. Je ne crois pas, si tu veux, aux religions, à n'importe quelle religion. Moi, je suis cartésienne, je crois plus en la science, même si je sais que la science peut être aussi avec la religion, mais j'ai décidé de ne pas être une pratiquante religieuse. Mais dans ma famille, beaucoup de personnes... culturelles, tu vois. Voilà, dans ma famille, ils sont tous baptisés et il y en a qui pratiquent, par exemple. Par contre, pour moi, si tu veux, l'Europe, dans sa culture et dans son identité, elle a le christianisme qui est collé à sa peau. Mais oui. En France, on a choisi à ce que la religion soit en dehors de la place publique et des lois du gouvernement. Donc c'est le gouvernement qui est supérieur aux lois de la religion. Et c'est ce qu'a voulu le peuple français. Donc soit c'est simple, soit on respecte. Il n'a pas le peuple qui l'a voulu.